Du livre, c'est le message d'aujourd'hui. Et quel est le message qu'il peut y avoir dans ce mot mystérieux qu'on utilise quand même, qui est très très important puisque c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est spécial ce mot. Il m'a toujours interpellé jusqu'au jour où j'ai compris que des apostrophes, ça veut dire de là, du quoi. H-U-I, c'est quoi? C'est la porte. L'huissier, l'huissier. Donc le jour du passage, oui, d'accord, et c'est quoi? Il y a quelque chose qui est étonnant, alors là, dans le langage des oiseaux, on appelle ça comme ça, il y a le mot « oui » dedans. Et on sait très bien, d'une façon complètement évidente, que la porte d'entrée, on rentre quand on dit « oui », et quand on dit « non », on ne rentre pas. Donc est-ce que le message de ce mot mystérieux, qui m'a toujours paru mystérieux, aujourd'hui, ça a l'air de tomber comme les cheveux sur la soupe, ça ne serait pas un message de s'inviter, d'être invité à venir vivre oui à la vie, bien sûr, oui à cette présence, oui à... Le mot oui, il est fabuleux parce qu'on se rend compte que ce mot-là, dans sa symbolique au niveau des lettres, c'est très simple à voir que le I, c'est la lettre phallique par excellence. Je veux dire, donc c'est le sexe masculin, droit en érection, et puis hop, il y a un petit point sur lui. Tiens, mon Dieu, est-ce qu'il serait en train d'éjaculer? Oh, c'est spécial ça. Et la lettre O, c'est la vulve de la femme, c'est l'ovule, c'est la vulve, c'est la matrice, mais c'est aussi la vulve qui est ouverte. Et est-ce que U, c'est l'union, tout simplement, hein, l'union du sexe masculin et du sexe féminin. Donc, ça veut dire quoi? Derrière cette connotation-là, dans notre langue française, c'est ce qui était surtout vrai il y a 50 ans à peu près, le féminin et le masculin, c'est ce qui montrait bien la bipolarité du monde. Hein. On dit mâle et femelle, par exemple. Et si on va dans une culture un peu plus, on va dire un peu plus élargie, on retrouve le yin et le yang. Est-ce que c'est l'union des contraires, des opposés, des paradoxes? Est-ce que le oui, ça ne nous invite pas à justement embrasser ça et arriver à ce que dit Tilsum, tout est en moi, la vie et la mort, les atrocités comme la plus grande beauté, et de pouvoir dire oui, accepter avec ce chemin. Hein. Donc ça, ce livre-là, il a été écrit en 99, et il m'a fallu à peu près tout ce temps-là pour avoir envie de développer cette idée du Kid Valley. En disant voilà, et on est ici à Mirabel, et le grand message, c'est Mirabel est la vie.